Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ben c'est encore moi. Hein. Troisième vidéo de la journée. Hein. Je viens pour une ouverture de bal. Après, je vais faire une autre vidéo, mais celle-là, ça va être vidéo détente. Hein. C'est vidéo tuto. Hein. Faut bien que vous bossiez un petit peu quand même. Hein. Comme la semaine passée, hein. Voilà. Non, mais en plus, je ne sais pas dans quel ordre je vais publier les vidéos. Et voilà, puis le tuto, je ne sais pas. Hein. Voilà. Hein, quoi que je vais vous faire un petit peu bisquer. Hein. Ah oui, et oui. Bon, enfin bref. Donc, on va découvrir un autre talent. Il s'agit de Martine C. Ben, ça me gêne de dire ça, mais je ne sais pas qui c'est. Voilà. Il n'y a pas son pseudo. Donc, à l'intérieur, bon, il doit y avoir des indices. Hein, mais tel quel, je ne sais pas qui c'est. Et donc, voilà. Donc, si vous y pensez, les filles, hein, enfin, surtout les filles qui n'ont pas de chaîne, hein, parce que, bon, j'ai beaucoup de participantes qui n'ont pas de chaîne. Voilà. Mais bon, il y a des participantes qui n'ont pas de chaîne, mais comme... on se contacte, elle m'envoie les photos de leur création crochet. Donc, je sais qui c'est. Hein, mais il y en a d'autres. Voilà, hein, elles me mettent des commentaires. Mais bon, il n'y a pas eu de contact en privé. Et je ne sais pas qui c'est. Et franchement, bon, ça me gêne de dire une telle chose. Hein, ça me gêne. Hein, mais bon. Hein, inspecteur Gadget va se mettre en quête de recherche d'indices. Hein. Donc, regardez son enveloppe, elle m'a mis du washi. Là. Voilà, washi qui est sorti il n'y a pas longtemps, Axio. Hein. On va découvrir un autre talent. Hein, c'est ça qui est super, parce que là, depuis que j'ai fait mon concours, je découvre de superbes créas, de superbes talents, à des degrés différents, dans des styles différents, et de superbes, comment dire, vous êtes une source d'inspiration, vous avez de l'imagination, les filles. Hein. Donc, je sais que parmi vous, il y a certaines, elles peuvent pas, enfin, elles ne peuvent pas, puis elles ne veulent pas ouvrir de chaîne parce que, ouais, pour des raisons X, Y. Mais celles qui sont entre deux, qui hésitent, faites-le. De toute façon, vous faites des vidéos quand vous en avez envie, et puis c'est tout. Mais c'est dommage de garder ben, tout ça pour vous. Hein. Voilà. Moi, je suis contente parce que moi, je partage votre talent avec vous. Hein. Et ça me, voilà, ça me fait plaisir de vous faire découvrir ben, des talents. Voilà. Bon, si j'arrêtais de parler. Hein. Voilà. Allez, Martine, on va découvrir tes merveilles. Déjà, merci d'avoir participé à mon concours. Merci pour tout le temps que tu as consacré à me préparer tout ça. Hein. C'est super gentil. Hein. Ça, oh là là, ce que je vois. Oh là là là. Hop, ça sent bon. Ça sent bon. Oh là là. Regardez-moi ça. Déjà, la pochette. Déjà, rien que la pochette. Voilà, elle a tout mis dans une pochette. Hein. C'est magnifique, magnifique. Et là, elle a mis une bordure de broderie anglaise. Hein. Donc, toi, tu dois aimer la couture. Hein. Tu dois aimer la couture. Hein. Et regardez les belles gances. Oh là là, le beau sapin. J'allais dire le beau sapin. Mon beau sapin. Je suis fatiguée, donc là, voilà. Oh là là, non, non, mais le beau ruban satin, là, est magnifique. La couleur, elle est superbe. En plus, avec les petits pois, c'est magnifique. Magnifique. Oh, magnifique. Donc là, elle a mis une fleur en papier et elle m'a fait aussi des ganses en ficelle. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, regardez. Regardez, là aussi, elle m'a fait des ganses. Voilà, des ganses en satin blanc, hein. Voilà, c'est magnifique. Voilà, superbe, superbe. Bon, puis si on découvrait, hein, parce que là, je suis en admiration, c'est... Oh là là. Donc déjà, indice numéro 1, tu aimes la couture.
On va voir si je suis une bonne inspecteur. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh l'écriture. J'adore ton écriture. Oh là là. Déjà, regardez. J'adore parce que ça fait très très ancien, très, wow, très vintage. Voilà. Elle a mis un seau en cire. Voilà. Ça fait très 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 ancien. J'adore. Hein? Oh là là, l'originalité. Punaise. C'est. T'as une écriture superbe. Alors, hein. J'ai trouvé Frida. Frida. Donc, Frida n'a pas de chaîne. Mais bon, elle le commente. Hein. Elle le commente. Ben voilà. Voilà. Eh ben, le mystère est résolu. C'est Frida. Voilà. Ben voilà, je connais mieux Frida que Martine. Hein. Donc, excuse-moi de ne pas avoir deviné qui tu étais. Mais voilà. Alors, je vous laisse admirer. Voilà, pendant que je lis son petit mot. Hein? Alors, attendez, parce que moi, j'ai avec mes problèmes de vue. Oh, putain. Merci. Oh. Voilà, une écriture magnifique. Hein? Merci d'être là. Hein? Plaisir avec votre. Oh, faut pas me vous voyez. Oh non, 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 faut pas me vous voyez. Alors ça, c'est sûr que ça a été fait avec le cœur. Hein. De toute façon, je sais que toutes les filles, vous avez fait les créas avec votre cœur. Hein. Alors. Alors, Frida fait des travaux manuels. Alors. Voilà. Elle aime donc le crochet, la couture. Vous voyez, premier indice, je vous l'ai dit, couture. Tricot, moi aussi. Le cartonnage, moi aussi. L'autre fois, je vous ai montré donc une boîte à bijoux que j'ai faite en cartonnage. Hein. Peinture. La peinture, à part peindre les fenêtres, c'est tout ce que je sais faire en peinture. Mais bon, c'est pas ma tasse de thé, là, la peinture. Mais hein, il y a de très belles toiles. Hein. Très belles. En trois genres, l'acrylique, l'huile et l'aquarelle. Bah alors, ça doit être. Et le cérate, alors le cérate, hop, je ne sais pas ce que c'est. Putain, ouais. Pas de chaîne. Voilà, bah, de toute façon, tu fais comme tout le monde. Nous aussi, on regarde les chaînes. Hein, on regarde les vidéos, on va sur Pinterest et puis on s'inspire de ce qu'on voit. Et puis après, on le met à notre sauce. Hein, parce que faire un copier-coller d'un tuto, bon, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Bon, c'est vrai que quand on débute, c'est ce qu'on fait. Hein, on fait des copier-coller, histoire d'apprendre les techniques. Hein, voilà. Hein, moi, j'ai fait pareil au début, hein, quand j'ai commencé à scraper. Je faisais du copier-coller, hein, bêtement. Hein. Et puis, bah, maintenant, bah, je le fais à ma sauce. Hein. Voilà. Donc, voilà. Superbe carte. Hein. Oh là là. Oh. Attendez, on va sortir. Oh là là. J'adore le craft. C'est très, c'est rustique. C'est vintage. C'est rétro. J'adore, moi, le craft. Hein. Ouais, attendez. J'ai le nez qui me démange. Voilà. C'est magnifique, voilà, c'est simple et c'est chouette, c'est j'allais dire c'est chouette, oui c'est chouette et c'est magnifique, hein. C'est magnifique, voilà, comme quoi avec deux fois rien on fait de superbes choses, hein. Donc là c'est une pochette, ah d'accord, ah sa Memoridex. Oh, mais il y a du papier bulle à l'intérieur. Ah, oh là là, comme c'est original. Oh, ok, super original, regardez.
C'est une enveloppe à bulles. Elle l'a recouvert de craft, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Oh, c'est magnifique. Hein. Ah ouais. Et donc, regardez, elle a mis de la ficelle. De la ficelle, donc une bordure en dentelle. Magnifique. Et puis là, bon, ben, ce sont des petites fleurs qu'on trouve à Tonton Ali. Hein. Voilà, elles sont superbes ces fleurs. Oh, c'est super original. Hein. Oh, c'est dingue. Vous voyez que vous avez de l'imagination. Hein. Eh ben, et la Memory Dex. Oh, elle est trop belle. Trop belle. Ben, l'écriture, t'as une superbe écriture. Hein. Donc, j'aime le vintage, le mix and media et le shabby. Ouais. Ben, comme moi, bon, à part le mix and media, bon, j'ai déjà expliqué. Hein. Ben, regardez-moi ça. Donc, aux angles, elle a, avec une perfo, donc elle a, hein, elle a fait là, ses formes-là. Voilà. Ici, elle m'a collé donc un die-cut. Superbe. Elle a mis donc ici une bande de dentelle sur laquelle elle a collé des petites perles. Là, elle m'a fait un petit bouquet avec les petites fleurs de Tonton Ali. Elle a mis donc c'est la même dentelle que qu'ici. Voilà. Et elle a fait une petite ganse en ficelle. Et elle a ancré ses papiers. Hein. Mais c'est magnifique. J'adore. Et elle a collé, regardez, des petites perles. Toutes petites. Ici, ici. Ici, c'est magnifique. C'est magnifique, ça fait, ben, ça fait rustique, ça fait vintage, je sais, j'adore. Hein. Oh là là. Et puis là, c'est du sisal. Du sisal. Voilà. C'est magnifique. Ben, j'adore, je vais la mettre là, comme ça je vais la ranger dans ma boîte à Memory Dex. Voilà. Donc, oh là 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 là, on va essayer de ne pas trop déchirer le papier. Regardez déjà la présentation, c'est super original. Hein. Donc, elle m'a fait une ganse en ficelle, elle a mis donc de la dentelle et elle a collé une petite fleur. Voilà, voyez? Avec deux fois rien. Et c'est super joli, hein. Super joli. Ouais. C'est super joli. Oh là là. Hop. Magnifique. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Oh là 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 là. C'est magnifique. Moi, bon, si je vous montrais, hein, regardez. Regardez-moi ça. On va découvrir ensemble. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est sa carte. Ah non, c'est comme. Ouais, on dirait une. Pas un flipbook. Mais regardez. Alors déjà là, voilà. Ce qui tient la carte, là, c'est, voyez, elle a mis de la ficelle. Et elle m'a fait une ganse en dentelle et elle a collé une fleur. Voilà. Ça, c'est pour retenir la carte. Waouh, c'est magnifique. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh là là. C'est magnifique. Hein? Donc, elle a ancré son fond. Enfin, je dis son fond, mais elle a ancré tous les papiers. Et regardez, là, elle m'a collé donc du sisal. On dirait que c'est du, ouais, du sisal. On dirait de la gaze. Une fleur. Voilà. Et là, elle a mis une découpe de feuilles. Wow, c'est superbe. Punaise.
Et ici, bien sûr, une fleur en papier. Et là, regardez, une pochette qui contient un tag. Hop. Oh, c'est trop mignon. Alors, regardez, tout en... Oh, c'est du craft. Hein. Là, au fond, elle a collé de la dentelle. Hein. De la dentelle. Et regardez, là, pareil, elle a mis de la dentelle, une ganse en ficelle et une petite fleur. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Et le tag, pareil. Donc, regardez. En craft. Elle a tout ancré. Donc, là, elle a collé son papier. C'est du papier texturé. Voilà. Et là, elle a mis de la ficelle. Ouais, c'est très, très, très vintage. Hein. Ouais, j'adore. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Hop. Hop. Et derrière, voilà. Donc, derrière, elle m'a mis donc du sisal, une ganse en ficelle. Et pareil, elle a mis une petite fleur. Là, elle m'a mis donc un petit tag où elle a écrit fait main. Et fait main, mais écrit à la main. C'est pas tamponné. Bah, alors là, c'est superbe, superbe. Et puis là, le lien. Attendez, je le remets parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Oh là là. Hop là. Eh ben pardon. Oh là là, regardez. Avec le lien. C'est trop beau. Hop. Eh ben merci Frida. Oh là là. Et là, regardez. Pareil. Donc, elle l'a enveloppée en forme de bonbon. Donc, pareil, elle a mis une ficelle. Et elle a collé une petite fleur. Voilà. Oh, c'est magnifique. Pétard. C'est superbe. Oh là là. Donc, vous voyez, si ça peut vous donner des idées. Voilà. C'est ça qui est bien avec les ouvertures de balle. C'est qu'on voit des créations différentes. Et puis, voilà, hein. Voilà. Ça donne des idées, hein. Ça donne des idées. Pétard. Oh là là. Je ne vais pas déchirer. Je ne veux pas abîmer. Oh pétard. Oh, puis qu'est-ce que ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon, hein. Alors. Hop là. Je vais l'enlever comme ça parce que je ne veux pas. Hop là. Oh là 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 là. Oh pétard. Purée. Oh pétard. On va découvrir ensemble. Oh là 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 là. Regardez. Regardez-moi ça. On dirait comme une boîte d'allumettes. Mais bon, c'est pas une boîte d'allumettes. Voilà, tout vintage. Donc, elle a tout ancré. Tout ancré. Oh là là. Même là, la petite fleur, elle l'a ancré. Petite fleur qu'on trouve chez... Enfin, qu'on trouvait chez Action, hein. Donc là, elle m'a mis une image vintage. Voilà. C'est de la gaze ici. De la gaze ici, elle a mis de la dentelle. Voilà. Donc là, le papier, elle l'a déchiré. Ouais. Elle l'a déchiré le papier. Donc là, la fleur. Elle m'a mis de la gaze là aussi. En haut, elle m'a fait une ganse en dentelle. Elle a mis un strass. Oh, mais c'est trop beau. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Et puis, on va ouvrir la boîte.
C'est beau. Oh là là. Regardez. Hop, on découvre ensemble. Hein. Oh là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, c'est superbe, superbe, superbe. Regardez. On va commencer par ça. Voyez, tout ancré. Hein? Oh là là, c'est superbe. Oh. Donc ça c'est, alors j'ai l'impression que c'est un tag, ouais, un tag. Oh, c'est magnifique. Hein? J'ai l'impression, je ne veux pas dire de bêtises. Alors, attendez. Ouais, j'ai l'impression, on dirait. J'en ai entendu parler, je n'ai pas été voir parce que bon, pour l'instant, je ne suis pas en mode junk. Hein, c'est pas encore. Ça fait son chemin, mais bon, je ne suis pas encore tentée de faire un junk. Mais j'ai entendu parler des embellissements faits avec des rouleaux de PQ. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est ça. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça. Parce que là, bon, on voit bien le truc du rouleau, là, voyez. Oh, c'est super original. Hein? En plus, elle a tamponné, c'est tout ancré ici. Donc, elle m'a mis, voilà, un liseré de dentelle, une fleur ancrée avec de la ficelle. Et là, vous avez le tag, le même que tout à l'heure. Voilà. En craft avec du papier texturé et puis là donc elle m'a mis de la dentelle, c'est super original hein, avec une ganse, voilà, super original. Hop, et tort, voilà, hop, ça alors. Ben, chapeau hein. Chapeau. Et donc, regardez. Waouh, c'est trop, hein? C'est trop. Ah, c'est bien les rouleaux de PQ. Hein? Je sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'appelle ça, ça comme ça. Vous voyez, papier hygiénique, mais bon. Hein? Je l'ai dit, nature peinture. Ouais, waouh. Oh, bah ça, alors. Oh. Oh. Un mini junk. Oh, c'est trop mignon. Et là, je vois... Pétard. Je regarderai plus mes rouleaux de papier hygiénique de la même manière, hein, parce que... Oh, regardez-moi ça. Oh, le truc de malade. Donc là, elle m'a mis de la dentelle. Mais là, c'est embossé. Hein. C'est embossé. Ouais, là, on reconnaît bien le rouleau de papier hygiénique. Ah ouais. Et là, elle a mis donc une fleur. Elle m'a fait une ganse. Elle a collé une fleur. Et voilà, elle m'a fait une ganse aussi en ficelle. Ah ouais, là, on reconnaît bien le rouleau de... Oh là là. Pétard. Ouais. Et là, donc, elle l'a... Non, elle l'a pas recouvert. Et non, elle l'a pas recouvert. Oh là là, quelle originalité. Oh, c'est tout petit, tout mimi. Et donc, là, elle m'a mis... Oh, un marque-page. Oh, ben ça, alors... Oh, c'est original. Oh, le truc de malade. Regardez le marque-page. Oh, c'est des petits cœurs. Alors, ah, c'est des petits cœurs métalliques. Petits cœurs métalliques.
Et c'est donc ça qui sent le. Ça sent le. Ça sent le. Oh là là. Ouais, ben les trucs anciens, hein. Eh ben. Oh, petite Junk. Oh, c'est tout mignon. Oh, ben ça alors. Eh ben. Punaise. Ben Frida, je te remercie énormément. C'est waouh. Waouh. Vous voyez, c'est encore un autre style. C'est un autre talent. Et ça, franchement, c'est que du bonheur. Que du bonheur. De découvrir autant de créativité, d'imagination, de talent, de style, c'est franchement, c'est que du bonheur. Hein. Voilà. Ça, la carte comme ça, la pochette, cette pochette-là, cette pochette-là, c'est waouh, c'est original. Hein. Alors, Frida, on va préparer ton petit papier qui est déjà prêt. Ouais, il est déjà prêt. Alors, tu as le numéro 26. Donc, j'avais mis Martine parce que je ne savais pas qui c'était. Et là, j'ai rajouté Frida. Et tu as le numéro 26. Ben, chapeau, hein. Chapeau. Merci pour tout. Là, je suis. Là, vous me. C'est que du bonheur. Et. Ah, tu es à côté de la boîte. Je fatigue, je fatigue. Bon, hop, voilà, tu es dans la boîte. Sur ce, ben, je vous souhaite, ben, je vais vous dire une bonne journée parce que là, on est samedi, mais ça va être publié dans la semaine. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Scrapez bien, crochetez bien, profitez de la vie, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.